Toulousain. Dites-le moi, j'ai pas mal de trucs sur Toulouse. Mais c'est pas grave. On a fait un sondage. Je vais faire la mise. Après, c'était la bienvenue. Merci. Avec ma tête à la. Hey, ça va Richy? Ouais, nickel. Hein. T'as la forme? Ouais, dans pleine forme. Thank you.
Oh, on fait une ligne de sécurité. Thank you.
Barricade.
Vas-y, 5-4, vas-y là. Thank you.
Ciao. Gaz en face. Ça va aller, ça va aller. On passera pas en face non plus. C'est bon.
gazé sur Saint-Bernard. On y est, on est en contrôle là. C'est bon, ça va se dégager, vous allez pouvoir passer par là-bas, j'ai demandé à ce que ça tire plus. Merci, j'ai entendu. Allez-y, allez-y, ça va se dégager. Non, non, si, il aurait dit, c'est vrai, il aurait dit. Gazé. Monsieur, de France, qu'est-ce qu'il a ? Reculez !
Révolution, 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 on est là, 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 on
Bravo, bravo. C'est l'État. Bravo, c'est Daesh en face. C'est Daesh en face. Là, c'est Daesh. Ouais, c'est des terroristes, les mecs. Thank you.
mettre une poche. Thank you.
bouge pas s'il te plaît, bouge pas. Merci. Thank you.
néant. Thank you.
Il y a un magasin qui peut accueillir le blessé, il est juste à même pas 50 mètres là. Jérôme, tout le monde là, les gars, faut le porter dans le magasin. Allez. Tous les costauds. Il est à 50 mètres le magasin. Quel magasin? Je sais pas. Il faut le porter jusqu'au magasin là. Quel magasin tu l'as mené? Le nom de la rue, le numéro. Nom de la rue, numéro sous le jeune. Jean, il est tombé d'abord. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les gaz, et il est tombé. On s'est fait, mais plus qu'un nuage de gaz. J'ai vu ça. Et il est tombé, on a réussi à le traîner jusque-là et tombé par asphyxie. Parce qu'il suffoquait, ouais, c'est ça? Ouais, ouais. Et là, il y a les pompiers qui vont arriver. Et il s'est cogné quelque part? Non, il s'est pas cogné. Il s'est évanoui, en fait. Ouais. Okay. Allez, viens, viens. Qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a pris des gaz. Pas ouais. Assez protégé et ça l'a. Non, ça lui crée des malaises en fait. T'as vu la grêle qu'on a pris là? Comme la personne là-bas, ouais. Tu voyais même pas à 2 mètres donc. Ah ouais, ils ont gazé fort. Reste un peu tranquille encore. Ça lui a créé un malaise, c'est ça? Parce qu'il y a les flics qui arrivent après. Ça lui a créé un malaise, un truc comme ça? Oui, ça te perturbe tout à l'époque. Ah ouais, carrément. Ça te bouille exprès. Quand tu sembles en fait. C'est les gaz d'émeute ça. Ok. C'est elle qui est perdue. Ouais, mais c'est la fille d'un manifestant, non? Non, c'est un mec qui était en manifestation. Non, une personne normale qui passait et ils les ont gazés. Voilà, c'est comme tout à l'heure, apparemment, il y a une dame avec un bébé dans une poussette, ils ont voulu la matraquer et ils sont tous jetés sur le bébé. Voilà. D'accord. Ah, je suis d'accord avec toi. On va bien repousser. Ouais, je suis très très violente. Hyper violente, tu vois. Donc si tu m'agaces, je te mets un coup de coussin.
3 semaines, un mois, s'est retrouvé coincé entre un groupe de CRS et un groupe de manifestants. Et elle était avec une maman qui n'était pas très rassurée de la situation. Tout le monde a commencé à avoir très peur. Et elle, la première. Et là, elle s'est retrouvée à nouveau confrontée un peu à une situation similaire. Et du coup, elle a perdu ses moyens, entre guillemets. Elle a confiance en soi. Elle a juste eu peur. Elle a eu très peur parce qu'elle a entendu les explosions. Et ça lui a rappelé et remémoré ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Alors que je lui ai dit, mais non, il n'y a pas de souci. Les gens, ils sont là pour manifester. Ils ont raison de manifester. Tu étais avec les manifestants? Non, pas du tout. On était en ville. On était en train de se rapatrier vers chez nous. Et on a été obligé de faire 3 courses. Mais comme on habite le quartier, ben, forcément, on est confronté régulièrement à ce genre de situation. Ah, parce que le cortège passe régulièrement dans ton quartier? Ah, ben, systématiquement, là, tous les week-ends. Tous les week-ends, on est confronté à la situation. Mais ce que je comprends. Et la semaine, la fois d'avant, ouais, tu disais. La fois dernière, c'est pareil, elle est partie en ville avec une autre maman. Et quand elles ont voulu revenir, elles se sont prises en sandwich, elles se sont fait prendre en sandwich avec l'effervescence extérieure, quoi. D'accord, j'ai eu peur qu'elle ait pris du gaz choses comme ça. Non, on n'était pas là en train de manifester. Elle n'a pas pris de gaz, elle a juste eu très peur, en fait, c'est voilà. Ça. D'accord. C'est juste une bonne crise d'angoisse qui lui est montée. Et comme elle voyait tout le monde se plonger, attention la gamine, hein. Et alors j'ai une question toute bête. Dis-moi. Pourquoi le samedi, finalement, elle reste pas un peu à la maison Parce que là, j'avais pas le choix. Ma femme travaillait, que moi j'avais des choses à faire et qu'en plus, on avait des cadeaux à aller faire pour des copains de classe. Et que on a été faire 2 courses. On y a été ce matin et puis on vient de rentrer maintenant. Et sauf que voilà, on se retrouve confronté à ce genre de situation. Est-ce que je comprends normal? Tu peux poser tes questions. C'est normal, hein. Monsieur, okay. Négocier avec Patrick. Vous pouvez passer à droite, c'est ça? On va pouvoir y aller. Super. Une seconde? On a une seconde ou pas? Ouais, ben oui, bien sûr. Merci. C'est... En fait, on est parti en fin de matinée en ville, on a fait des courses, puis finalement on s'est attardé, puis on est revenu. T'as été gâté en plus, trop bien, merci beaucoup. T'as ton petit masque? Allez, t'es prêt à affronter? Allez, on y va. Il y a du gaz encore un peu? Oui. Un gaz? Ah non, en fait, alors je te montre. Le bleu sur ton visage, et ça derrière tes deux oreilles. Voilà. Enlève les cheveux. Ouais, avec les cheveux sur les cheveux. Et après tu vas tirer la partie du haut et la partie du bas, et comme ça tu vas te le rassembler. Voilà. Voilà. Et après tu le plies sur le nez parce que dedans il y a une baguette en aluminium. Ouais, moi je suis soudeur, alors j'ai des masques comme ça. D'accord. Ça sent encore un peu de gaz. Ça fait un peu de gaz.
Salut madame. Merci pour tout. Ciao. Salut Rachel. Bon courage à vous. Merci. Ah putain. Ah si, il y a réussi.